aujourd'hui dans Météo à la carte, où je vous propose de reproduire la ratatouille du film Ratatouille. Quand je pense au ratatouille de Pixar, j'ai les odeurs de la soupe de Rémi, j'ai les odeurs de la ratatouille. Le fond du message du film, c'est tout le monde peut cuisiner. Et moi, je me retrouve énormément là-dedans. Si vous cuisinez tous les jours, même un tout petit peu, tous les jours, ça vous paraîtra plus simple au fur et à mesure. Aujourd'hui à Chartres, dans l'Eure-et-Loire, notre chef n'a rien d'un rat. C'est un chef généreux. Son nom, Thibaut Villanova. Thibaut est une star des réseaux sociaux et de YouTube. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Miss Jirachi et on va cuisiner du Disney. Oui, je suis très contente. C'est dans son studio cuisine spécialement équipé qu'il va concocter une recette avec de beaux légumes de saison. D'abord, pour le coulis de légumes, on prend un poivron, on le met dans ce petit plat-là. 4 tomates. Eh, il n'y a rien à faire, 4 tomates. 2 oignons qu'on aura coupés et pelés, ici. 2 gousses d'ail qu'on écrase, ici. Un petit peu de thym. Un petit peu de romarin. L'huile d'olive, j'arrose. On y va généreusement sur l'huile d'olive. Une bonne pincée de sel. Ça part au four à 230 pendant 30 minutes. Le but, c'est de bien les faire roussir, d'aller chercher leur saveur. Une demi-heure de cuisson, le temps pour Thibaut de se rendre sur le marché et récupérer les légumes manquants. Sur le chemin, ce passionné de BD, de télé et de cinéma fait un arrêt devant l'un de ses temples. Gastronogeek, c'est devenu mon nom d'auteur, mais à la base, c'est le nom du concept. Et c'est vraiment un pont qui va de la pop culture à la cuisine, mais c'est un pont qui s'emprunte dans les deux sens. Pour permettre aux gens dont on disait, voilà, les geeks ne savent pas cuisiner, ils mangent chips, pizza, coca et compagnie, c'est pas vrai. Dans ces bandes dessinées, dans les romans, dans les films, on les voit manger très très bien. Tous ces univers sont des sources d'inspiration pour lui et sur le marché de Chartres, il se fournit chez sa maraîchère préférée. Attends, on filme rien. Katia. J'ai besoin de légumes pour ma ratatouille. Hein. Ouais. On sera 4. 4. Que des produits français, hein, évidemment. C'est important. Là, c'est l'époque. Des beaux produits, des gens sympas. Pour moi, c'est ça l'esprit du marché. Hein. C'est la base vers le rêve, quoi. À la météo, elle a une grande importance. Déjà, elle définit si je me lève faire le marché ou pas. Quand il pleut, par exemple, je suis heureux pour cuisiner. Ça me donne une bonne raison d'être chez moi en train de le faire. Mais parce que je ne suis pas dehors en train de ramasser des légumes, vous voyez, c'est encore un truc différent. Et puis, le soleil, c'est l'assurance d'avoir des légumes qui ont plein de goût. Avec 290 000 personnes abonnées à sa chaîne YouTube et ses succès en librairie, Thibaut a le succès plutôt modeste. Ah oui, ça fait longtemps qu'on en entend parler. C'est une star. Voilà. Et la ratatouille de ratatouille, vous la connaissez? La ratatouille de ratatouille, vous m'en ferez une, non? Je vous l'amène tout à l'heure. Voilà, on fait ça. L'idée de génie de Thibaut, donner à la culture populaire, dite aussi pop culture, sa dimension gastronomique. Cette aventure a commencé avec un livre. Moi, je leur ai dit, je veux faire de la cuisine de l'imaginaire. On disait, dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, ça mange. Moi, je veux montrer aux gens comment on fait pour le faire. Oui, ok, très bien, mais alors du coup, c'est gadget. Non, la vraie cuisine, avec des vraies techniques de cuisine, avec du vrai langage de cuisine, vulgarisé pour les gens qui ne savent pas le faire. Aller-retour dans l'antre du chef, son studio cuisine. Les légumes sortent du four, ils ont vraiment compoté, on le voit, la peau a commencé à retirer. Là, on n'a plus qu'à mixer les légumes. Et là, c'est juste fabuleux. Hein. Parce que vous avez... La ratatouille est déjà dans le pot. On va verser ici, on va plaquer en fait. Mais une base de recette peut parfois en cacher une autre. Astuce du chef. Vous mettez des glaçons là-dedans et du concombre, et c'est un super gazpacho. Hein. Cette préparation doit maintenant refroidir. Le chef attaque la découpe de ses légumes en très fines tranches avec un couteau fabriqué au Japon. Un pays cher à son cœur, dont il fait régulièrement découvrir la pop culture et la gastronomie à ses abonnés. Donc là, en fait, on est dans le quartier d'Asakusa, on est à côté du Sensoji, du temple Sensoji, et on vient de se prendre une brochette de crabe. Merci de me faire voyager et le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Et dans ce métier passion qu'exerce Thibaut, l'amour de l'autre est aussi très présent. Quand je parle de cinéma avec mes potes, c'est des instants de partage. Quand je cuisine pour mes amis ou pour la famille, c'est des instants de partage aussi. Moi, j'ai une grande famille. Il y a toujours eu les grandes tablées, les moments où tout le monde se rejoint le week-end, on cuisine tous ensemble, on mange tous ensemble. Donc pour moi, tout ça, c'est lié, quoi. De la réalité à la fiction, il n'y a souvent qu'un pas. La célèbre ratatouille du film est inspirée de celle du grand cuisinier Michel Guérard, mise au point dans les années 70.
Thibaut dispose maintenant ses légumes en quinconce sur la préparation confite. On a presque fini. Sel, huile d'olive, romarin, un petit peu de thym. Et puis on enfourne à nouveau trentaine de minutes à 230. Ce qu'il faut, c'est que les légumes boivent le coulis et grillent sur le dessus. Voilà. 30 minutes plus tard, tout est à point. Alors, beaucoup de gens vont dire « Mais c'est un tian !» C'est un tian, oui, c'est un tian. Mais le film s'appelle Ratatouille. Et donc, en fait, pour l'adresser vraiment comme dans le film, on utilise un emporte-pièce et on y va à la cuillère à soupe. Notre équipe s'est régalée, à vous de tester.